pas faire de. Non, mais je le sens, c'est de la gratte. Là-dessus, là, que tu mettais à un moment donné, tu dis qu'on ferait rentrer la basse qu'à ce moment-là, etc. Toi, sur la deuxième phase couplée. Après, on verra. J'ai envie de dire, nous verrons en fonction de. Quand on aura tout, sera. La guitare. Les guitares acoustiques, vous voyez, il y a quand même 2-3 guitares. Rickenbacker, Epiphone, et puis. J'ai un peu peur ce. Je sais pas quoi. Poser. Et puis une strato quoi. Voilà. Là on voit. Ça laisse le choix. Ah oui, t'as ton Epiphone. Ouais, alors en gros, si je devais décrire rapidement pour te donner une idée, mais tu verras, tu essaieras toi-même. L'Hurricane, c'est du simple bobinage, donc tu auras un son plus proche d'une Telecaster, c'est plus tranchant. Ouais. Je dirais que c'est bien, vraiment bien pour les rythmiques et pour certains solos, si tu veux que le solo il crache, quoi, qu'il sorte, un peu acide, entre guillemets. Et par contre, l'Epiphone, c'est beaucoup plus le son Gibson. J'ai un double binage. Ouais. Voilà, donc tu as un son beaucoup plus épais, beaucoup plus rempli. Donc voilà. Tu jouais beaucoup avec celle-ci quand tu étais dans Déjà Vu, non? Ouais, la Rickenbacker, je l'ai acheté plus récemment, on va dire.